tout a commencé l'année dernière. J'avais envie de reprendre un petit peu les feux de la scène, on va dire. J'ai eu une passe assez difficile, donc j'avais besoin en fin de compte de me prouver à moi-même que je pouvais faire mieux. Et donc du coup, la nuit de la résurrection, c'est en quelque sorte un retour sur les planches, mais en essayant d'utiliser ce don pour pouvoir aider des associations ou des personnes. Donc j'ai fait des démarches, j'ai été voir des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé. Et en fin de compte, cette nuit, c'est vraiment une nuit magique dans la mesure où j'ai reçu plus que ce que j'avais donné en fin de compte. Pouvoir faire défiler des enfants de l'association ACEAD, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et dans la mesure où ils m'ont donné énormément d'amour, de joie, d'ailleurs ça se voit, ça s'est vu sur la scène. Donc j'ai pensé ce qui a touché le public. Et ça, j'en suis très fier. J'ai commencé un petit peu à réfléchir sur ce que j'allais présenter cette année. Donc, je me suis inspiré, on va dire, d'événements féeriques. C'est-à-dire, par exemple, le premier thème, Sointensia, où j'avais envie de mettre la femme sous toutes ses formes en valeur, et sous tous ses âges. Ensuite, le deuxième thème, Just Me, où c'est un mélange entre les hommes et les femmes, où j'avais envie de voir en fait une complicité et dont justement les enfants de la CEAD étaient à l'intérieur. Et donc je pense que ça a touché le public de voir en fin de compte ces enfants qui sont pour moi des enfants comme tout le monde et qui ont une âme et qui ont une passion et qui veulent la présenter. Et donc ensuite le troisième thème, Sortilège, où là en fin de compte on va découvrir le côté mystique et sensuel de la femme. Ça n'a pas été facile, beaucoup de travail, la recherche de matériaux spécifiques, mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Et justement, quand on veut réaliser quelque chose, il faut se mettre à fond. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont épaulé de loin ou de près à ce projet. Païta Mosaïque, Le Cartel, La Boutique Authentique, la mairie de Païta qui ont aussi joué le jeu et qui ont bien voulu me laisser cette chance. Mais surtout un grand grand merci à tout mon staff parce que sans eux je ne suis pas là. Et aussi un grand merci au public parce qu'il a été présent malgré tout, il a été là. Et je pense qu'il va garder un bon souvenir cette soirée.